C'est sympa ces petits coins quand même. Hein. Tu sens quand même un peu la campagne profonde, hein, voire la Haute-Savoie profonde. En fait, je dis des conneries parce que je crois pas que je suis en Haute-Savoie en fait. Je dois être en Savoie d'ailleurs. Enfin, c'est même sûr. J'ai peu de doutes. Ah ouais, je dois être en Savoie là en fait. Bon, c'est pareil, hein. On peut dire, là, les villages de Savoie profonde. Voilà. Hein. Oh, ça serait que deux mois, c'est quoi? Bon, ça manque un peu de matériel, c'est dommage, j'ai pas la bouffe non plus, mais... Oh la vache. Je partirai direct, hein. Mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais bon, c'est vrai que ça serait tentant. Oh là 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 là. Ah ouais, tu mets les gaz et hop, c'est parti, ça y est. T'es sur la moto, t'es tout équipé. Bon, c'est con, j'ai ni à boire ni à bouffer. Alors, allez. Surtout que ça arrive, j'ai commandé, donc bon. Mais ouais, on aurait presque envie. Allez, on se fait, lui. Allez hop, c'est fait. Oh, j'adore ça, hein, c'est vraiment très... Oh là 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 là. Ah, la moto continue de tient. Hein. Voilà, bon donc c'est la promenade de l'après-midi. Puis bon, faut bien voir un peu aussi comment la moto réagit. Alors, il faudrait peut-être que je durcisse un peu les amortisseurs parce que j'ai l'impression quand même que je suis un peu chargé quand même. C'est vrai que je n'ose pas trop y toucher, alors j'ai jamais fait, donc tu vois, hein, l'inconnu. Hein. Je dois dire que cette petite balade se passerait plutôt bien. En plus, forcément, dans ces coins-là, il n'y a pas grand monde. We'll be right back.
Je vais bien finir par griller mon pneu avant de partir. Bon, enfin, il est neuf, mais enfin bon, à la vitesse où je les bouffe, hein. J'aurais jamais changé autant de pneus. Hein. Je crois qu'avec un monde d'origine, ça doit être la cinquième train. Ah, salut copain. Fenêtre qui a peur pour se promener. Hein. Alors le col des Prés, altitude 1142. Bon, on n'est pas très haut. Hein. Mais bon, c'est plaisant. Je sais que toi aussi tu aimerais bien être là avec moi sur la moto. Pas avec moi sur la moto. En moto, hein. Pas spécialement avec moi, mais moi dans le coin. Eh ben t'as bien raison. C'est vrai que c'est cool, pas trop de monde, pas trop de circulation. Les montagnes, la nature. Et voilà. Bon, puis devant la grande, là c'est le granier. Puis on a toute la chartreuse là derrière. Ah, demain je vais aller essayer une Tiger 900. Oh. Demain je vais aller essayer une Tiger 900 GT Pro. Alors bon, on va voir ce que ça donne, voilà. Alors est-ce que je compte changer certainement un petit peu. J'en sais rien en fait. Ouais, je suis bien avec cette moto là. Bon, je te... Son seul problème entre guillemets, c'est son poids à sec, enfin 230 et quelques kilos avec le plein. Bon, voilà, je me pose la question. Donc je vais aller essayer une petite moto, on va voir. Donc elle est quand même plus légère, hein. Elle fait à vide, elle fait 198 kilos. Bon, ça me rappelle un peu la MT-07 du permis, je crois que c'est à peu près dans ces poids là bon, donc à voir, j'en sais rien. Alors je suis déjà passé par là il y a 5 minutes, hein. Je repasse parce que j'ai tourné trop tôt tout à l'heure. J'ai fait tout le cirque là qu'on voit devant là, de gauche à droite. Voilà. Il y en a qui sont à la bière, tu vois, tranquille. Il y en a d'autres qui sont sur les motos. Il y en a qui ont travail. C'est sûr qu'avec tous les coins que je te fais découvrir en Savoie et Haute-Savoie, tu vas finir par connaître. Hein. Si un jour tu viens, tu vas dire, oh là là, je connais tout, j'ai tout vu. En même temps, tu reconnaîtras, voilà. Tu diras, oh ça, j'ai déjà vu en vidéo, ça. Eh bien voilà, cette petite après-midi de roulage de test s'achève. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions ou commentaires, n'hésitez pas. À bientôt pour de nouvelles aventures.